Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du patch hebdomadaire, du 16e patch hebdomadaire de PlayerUnknown Battleground, qui a été mis en place sur les serveurs, pas sur les serveurs test, quoi, sur les serveurs normaux, le 13 juillet. Donc nous allons voir ensemble, nous allons faire un bref récapitulatif de ce qui a été appliqué, de ce qui a été fait. Alors, tout d'abord, ils ont corrigé pas mal de bugs, en fait ça a surtout été un patch concernant des corrections de bugs. Donc il n'y a pas une nouvelle de nouvelles ajouts, c'est simplement des corrections de bugs. Donc ils ont corrigé un bug sur lequel l'avion, des fois au démarrage, il restait immobile, il y avait un bug à ce niveau-là, donc ça ils l'ont corrigé. Donc l'avion du démarrage maintenant pourra décoller et planer librement. Enfin planer, il plane pas, mais il pourra voler librement. Ils ont corrigé un problème d'inventaire sur ceux qui avaient une résolution 4 tiers. Quand ils affichaient leur inventaire, ils avaient un bug d'affichage, ça a été corrigé. Donc ça c'est bon. Maintenant on peut voir aussi l'image de notre équipier en couleur. Donc bien pratique en squad, même en duo, enfin bien pratique quoi, au moins on peut repérer facilement nos coéquipiers par rapport à leur couleur. On peut plus tirer sous l'eau, depuis un véhicule sous l'eau, ça a été corrigé. Ils ont corrigé un problème aussi. Par exemple, on ne pouvait pas ramasser les chargeurs au débarrage du jeu. Sur l'île de départ, il y avait des chargeurs qu'on ne pouvait pas ramasser, donc ça maintenant on peut les ramasser. On n'a plus besoin d'appuyer sur F pour passer les portes qui ont été explosées par des grenades ou par des joueurs ou même par la zone rouge. Alors ça, ce sera quand même bien utile parce que des fois il y avait des portes qui étaient à moitié défoncées, on était quand même obligé d'appuyer sur F, là on pourra courir à l'intérieur. Donc bien pratique. Ils ont corrigé un problème aussi avec le zoom. Alors je ne saurais pas trop expliquer ce qui est écrit parce que je n'ai jamais eu ce problème en fait, je ne comprends pas trop. Mais un problème qui a été corrigé au niveau du zoom. Pour ceux qui avaient déjà eu ce problème, et ben voilà, ça s'était corrigé. Ils ont corrigé aussi un problème au niveau des grenades. Alors avant on avait des grenades qui ne pouvaient pas être lancées. Il y avait un délai, ou enfin voilà, elles ne pouvaient pas être lancées. Donc ça ils l'ont corrigé maintenant. On va pouvoir lancer nos grenades correctement. Et ils ont corrigé en dernier lieu un problème quand on changeait d'arme en fait en appuyant sur les touches et qu'on ouvrait notre inventaire en même temps. Il y avait un bug qui a été corrigé. Maintenant on pourra échanger d'armes et ouvrir l'inventaire. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà pour les modifications qui ont été appliquées cette semaine, cette 16e semaine dans PlayerUnknown Battlegrounds. Je vous remercie à tous et à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut, salut!